elle adapte. Moi, par hasard, vraiment. Vraiment, j'ai eu, c'est pour ça que je le dis, j'ai eu la chance de tomber sur l'ADAPT. J'ai eu la chance de, suite à ma reconversion, enfin, suite à une agression, à un accident de vie en fait, j'ai eu une reconnaissance travailleur handicapé et c'est dans ce cadre-là que j'ai intégré l'ADAPT. J'ai connu l'ADAPT grâce à la MDPH car j'ai pu bénéficier d'un parcours de reconversion professionnelle en fait. Donc j'ai intégré l'ADAPT sur un parcours d'EPP, d'élaboration de projets professionnels qui a duré 6 mois à peu près. Là j'ai pu me poser des questions, enfin, c'est vraiment de l'introspection. Dans cette période-là c'est vraiment de l'introspection, on se pose énormément de questions et heureusement que l'équipe pluridisciplinaire de l'ADAPT en fait elle nous aide et elle nous aiguille afin d'aboutir dans ce qu'on veut faire en fait. Pendant cette période-là, j'ai pu faire des stages en fait et j'ai pu voir plusieurs métiers, RH, comptabilité. Moi, c'est un métier qui m'avait attiré en fait dès le départ. Au début, je voulais faire secrétaire médicale parce que j'ai déjà un parcours de médical. Et en fait, pas du tout. Grâce à l'ADAPT, j'ai découvert un amour pour la comptabilité. Et donc, suite à des stages, en fait, j'ai vraiment mis en place un projet. Donc je voulais faire assistante comptable et ensuite me diriger vers gestionnaire de paye parce que c'est également un métier que j'ai vu lors de mes stages en fait, de découverte d'entreprise et du métier. Et j'ai eu la chance donc, d'intégrer la formation de comptable assistante. Et là, je suis prise à Naval Group pour l'alternance en tant que gestionnaire de paye. Ben, moi j'ai déjà conseillé l'ADAPT à tout le monde, à tous ceux que je connais, qui sont en difficulté, qui ont et qui vont avoir une reconnaissance travailleur handicapé ou autre de venir à l'ADAPT. Parce qu'ici, on a vraiment une équipe. Et en fait, je crois que quand il les recrute, il doit y avoir la case bienveillance. Parce que c'est ce qui ressort directement avec eux. Enfin, ils ont un amour du métier qu'ils arrivent à transmettre et ils ne sont pas ici par hasard.